Ça va. Tu es cousine ici maintenant? Non, c'est la poussée qui a vu qui est baissée. Ah, tu nous allais dire, tu ne peux pas pas d'accuser. Tu es là. Oh, hey, pardon. Ouais. Viens. Tu dis quoi? Je suis venu. Hi. Hey, ça c'est quoi ça? Ah, c'est ce que je vais t'expliquer, tu ne vas pas m'écouter là. Heureusement qu'ici, c'est une cachette. Sinon, mais. Très cher! Oui! Cher locataire de vieux Brahma. Oui. Monsieur Kwame, comment ça va? Oui, c'est moi-même. Ça okay. Va très bien. Bonne heure à Nina. Merci. Allez. Oui. Et puis bonjour. Et bonbon. Et bonbon. L'avocate internationale. Et bonbon. Baptisée, confirmée. Autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions. Et bonbon. Je m'appelle Bon-P, en un mot, bon P.A. Papa. Attends ou bien. Je n'attends pas bien. Comment ça? Et, c'est-à-dire, toi, mon femme, tu t'assois et tu m'appelles et le cas vient ici. C'est ça? Je suis en train de travailler, ça. Ah, moi, je ne travaille pas. C'est ça? Mon propre femme. Qui se marie avec mon argent? Oui. Toi, tu t'assois pour... et puis tu es assis, tu m'écoutes. Oui, pardon. Regardez-moi ça. On a l'habitude de se taquiner. Voilà pourquoi je suis assis. Je sentais... Ah, tu me taquines, moi, ton camarade de l'enfance. Tiens, tu vois, moi-même là, j'ai fait un pipi. Crocodile, ça dedans, il veut me manger. Eh bien. C'est compliqué. De... Moi, c'est compliqué. Tu t'assois, je vais, tu m'appelles. Yedio, ouais. Ton petit frère qui est arrivé, Swalo. Ouais. Maintenant ça là, ouais. Tu es sorti sans ça. Quoi ça? Ça. Ah, parce que ça là, c'est collé sur moi. Là, c'est ton troisième pied. Ouais, c'est moi qui t'ai dit tu ça. N'es jamais sorti de la maison sans ça. Bon, moi je vais t'expliquer. Moi qui viens de Paris là, dans Fraissière là, tu veux que moi je prenne Cannes là pour me promener, comme ça ils vont dire que j'ai vieilli, c'est ça? Ah, mais tu es vieux, tu vas dire que tu es jeune quoi. Ah, donc, même si j'ai bien, je n'ai qu'à me promener pour... Je te comprends. C'est pour t'habiller, pour aller chercher les petites filles là dehors, là, sans cheveux, là, clair là. Et regardez ce qui dit. Quelles petites filles? Les petites filles clair qui n'ont pas les cheveux, là. Ah, sinon, actuellement, ici, là, Abila, ça fait faire 2 semaines sur toi. Pour laver, même, c'est pas là. C'est la jalousie qui te fait d'ici. Mais c'est normal, tu es mon mari, il doit être jaloux. C'est jalousie? Donc, c'est ce que je te disais, là, ton petit frère Swalo, là, il est arrivé de boiter. Mais il y a à quoi? Moi j'ai pris Rakusi. Oui c'est ça, c'est ici Rakusi. Tu es censé me cacher moi. Ah bon? Oui. Tu as un problème? Non, je n'ai pas de problème. Alors comment ça va? Oui, ça va très bien. Ok. Dieu merci. Ouais. Et tu es. Tu vas où? Ah oui, je voyage beaucoup maintenant. Ah d'accord. Voilà. Oui, ça c'est très bien ça. Très bien. Oui, voilà. C'est bien, cher. Nous sommes dans une nouvelle année. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Oui, ça c'est normal. C'est très bien ça, très cher. Voilà. Mais victime des erreurs de fabrication. Quelle erreur? Ok, ce sont des thèmes juridiques. Donc comme tu ne comprends pas, je vais prendre un thème civil. En fait, je voulais savoir pourquoi tu ne cherches pas à me voir. Moi quoi? À me le rire? Mais oui. Chez toi, tu vois. Oui. Pour quoi? Pour qui? Et puis tu es qui? Ok. Comme tu sais que je suis l'autorité compétente dans l'exercice de cette fonction qui exerce votre dossier sur l'avenue Vieux Brahma. Donc ce titre me permet de vérifier quel de mes clients perçoit ses droits. Quel droit? Ah, le voilà même, il arrive. Moi, je mets dans la chambre. Hey, c'est ton frère. Hey. Y'a quoi? Tu es venu ici pourquoi? Tu peux pas m'appeler? Ah, pourquoi? Y'a quoi même? Mais ici, c'est chez moi. C'est toi comment? Eh, hey, grand frère Nassar. Eh, hey, tu peux pas m'écouter. Tu peux pas m'appeler avant de rien. Grand frère, tu te jures, non? J'ai essayé ton numéro. Ça passe pas. J'ai essayé deux. Ça passe pas où? Tu étais où? Hein? Tu étais où? T'es qui juste qu'on voit qui? Tu es appelé là-bas, ça n'a pas marché. Ça n'a pas passé. Tu es venu, tu es descendu où? À la gare. La gare de où? À Djamé. À Djamé, là, il n'y a pas un cabinet là-bas. Voilà, quand il s'est arrivé, au moins je voulais lancer ton numéro là. C'est ça, il y a un taximètre, il a pris mes bagages, il a mis un taxi, puis ouais, c'est là. Il y a moins de trucs. Toi, tu penses que quand tu parles à un homme, tu penses que moi là, je ne suis pas normal. Tu penses que moi, tu es un enfant, tu vois comme ça, un taximètre, il ne te connaît pas, il prend comme ça, paf, il vient, c'est bien vraiment. Tu penses que moi, je suis fou quoi? Je suis bête.
Hein? Prophète, comme... Quand tu viens chez moi, tu me pelles. Grand-frère, moi, mais pour venir chez moi, c'est ma propre maison. C'est ton propre maison. Tu es mon grand-frère. Ça veut rien dire. Quoi? Bon. En réalité. Attends. Voilà. Ça, c'est le livre de la Constitution. Est-ce que tu vois? Il est signé ici. L'article 75 de 1755 le définit ici. Que chaque handicapé doit percevoir ses droits. Ah putain, encore. Quand tu me regardes, je suis handicapé. Hein? Attends, quand tu regardes, il faut commencer par ma tête. Attends, jusqu'à ma bas. Je suis handicapé. Dans ce caca, attire, je suis le plus très bien important que tout le monde. Ouais, c'est... Alors, faut pas me dire ça encore pour toi. Prochainement, hein? Sinon tu vas connaître ma couleur. Mm-hmm, à partir d'aujourd'hui, espèce de vent, Adruya, Aba, Momo, Ota, To, Oka, Kak, Anna, Bou, Rubia, Ka, Hafa, Momo, Ota, Pla, Haka. Oui, c'est ça. Alors. Attends, mais je rêve ou quoi? Avec des paroles en suspension et comment on appelle ça, et des articulations en escalier, il vient me dire que, avec une montagne derrière lui, il vient me dire qu'il n'est pas handicapé. Ça veut dire quoi ça? Je me battrai corps et âme pour que tu puisses percevoir tes droits, cher handicapé de l'avenue Vieux Brahman. Ça veut dire quoi ça? Ok, la séance est levée. La séance est levée. Tu as laissé cette moment net, caca. Ça veut rien dire. Ça fait. Tu penses que toi là, je t'ai déjà dit ça, que je suis pas content de toi. Je suis pas content de toi. Pourquoi? Notre oncle qui nous a élevés, tu as pris son nom à vous, tu as donné à ton fils. Mais tu maltraites l'enfant là. Tu as fait jusqu'à ce qu'il est devenu l'enfant dans la rue. Est-ce que ça c'est normal? Faut pas dire ça. Hein? C'est qui a vous me fait là? Qui t'a tu vois? Il t'a fait quoi? La femme me fatigue, il me fatigue plus que tous les autres enfants. Il t'a fait quoi? Moi, mais je regrette, mais je dis, est-ce que c'est pas parce qu'il a donné le nom de l'oncle là? Qu'est-ce que ça a su sur lui? Ah, tu as vu? Oh non, je vais dire. L'oncle, tu le frappes, tu frappes l'oncle. Non. Tu frappes notre non, petit non, papa. Non. Je voulais dire quoi? Je voulais dire que. Il a tout dit. Hein? Après, tu toi. Hein? Mais tu vas quoi? Bref, j'ai fait encore comment? Je sais même pas encore bien coucher. Tu peux pas coucher. Tu peux pas coucher. Prête toi. Tu fais ta bagage. Tu vas aller. Non, grand frère, il l'a. Grand frère, tu es quitté en France là. Mais tu es parti, mais tu m'as pas dit. Tu es venu encore. Je suis venu te saluer. Tu... Ah, il l'a. Je sais. Tu te connais. Tu es venu pour l'argent. Tu es venu pour chasser l'argent. Non, c'est pas l'argent. Grand frère, moi je n'ai pas de problème d'argent. Tu te connais. Mais non, c'est pas faire de l'argent. Même s'il a fait de l'argent dedans, c'est pas trop l'argent. Bon, comme c'est pas faire de l'argent, voilà place. Faut t'y asseoir. Voilà. Après, tu dois réfléchir bien. Le jour où tu veux aller, on va calculer. Je vais te payer ton transport, tu vas partir. C'est tout. Ah, après, toi. Grâce à lui, il y a une bonne nouvelle encore, les blettes. Quelle bonne nouvelle. Il est passé là-haut. Grâce oh, voilà, j'ai vu une femme là. Ouais. Voilà. Quand j'ai vu la femme, j'ai dit. Pour ça quoi? Pourquoi? Il traite la femme de mon grand-frère. Voilà. Grand-frère, bon, Nicaïa. Tu vois, non? Hein? C'est ça qui vous fatigue, c'est ça qui vous trompe. Vous pensez que moi, là, tout ce que je connais là, c'est femme. C'est-à-dire. Non, on peut laisser ça. Tu penses que tout ce que moi je connais, c'est les femmes. Où c'est avare? C'est la femme, son versé là-bas. Les femmes, claire là. Elles-mêmes là, elles ne se fatiguent pas pour porter habit même. Les femmes là, même quand elles sont même heureux au vélo. Tu vois, sinon. Ce n'est pas ma frère, c'est pas pour ici. Sinon, moi, j'ai dit ça. Et puis, c'est femme arabe. Arabe mousseau. C'est qui? Femme arabe, grave. Voilà. Moi j'ai dit mon grand-frère n'aime pas les femmes arabes, mon grand-frère. Attends, il y a quoi même? Tu s'amuses ou bien? Oh, c'est femme arabe. Il dit, moi j'ai dit qu'il veut plus femme. Attends ça. Femme arabe, il fait quoi au Bouaké là-bas? Oh, c'est ça. Il est parti au Bouaké d'aller voir son grand-frère. C'est ça, il a vu, il dit, quoi? C'est ça, c'est pas... C'est femme musulmane. Aïe! Attends, il est blanc, il est... Non, tellement il est blanc, mon grand-frère, tu vois son veine là. Aïe, oh. Bon, mais tu le vises pourquoi? Tu vas me donner femme, tu le vises pourquoi? Tu le vises pourquoi? Prépare-toi. Mais ça fait, je peux te faire la vie, mais tu ne veux pas.